Nous allons voir comment réaliser une ACP avec FactorMiner et plus précisément à l'aide de RCommander. Donc tout d'abord, nous appelons la librairie RCommander. La fenêtre d'RCommander s'ouvre et nous allons importer les données à l'aide du menu déroulant de FactorMiner. Donc je clique sur importer les données depuis un fichier texte. Je vais d'abord saisir mon jeu de données que j'appelle Decathlon. Le nom des variables est dans le fichier, sur la première ligne, donc je laisse cocher cette case. Le nom des individus est dans la première colonne, donc je clique sur cette case. Je vais choisir mon jeu de données à partir d'une adresse Internet. Le séparateur de colonne ou le séparateur de champ est le point-virgule. Je précise que c'est un point-virgule. Et le séparateur de décimal est un point. Je clique sur OK. Et je vais saisir mon adresse Internet. Donc http factorminer.free.fr/livre/decathlon.csv et je clique sur OK. Le jeu de données est importé et on peut voir ici que le jeu de données est directement disponible dans RCommander. Je peux même visualiser ce jeu de données et on a les individus en ligne et les variables en colonne. Je peux maintenant réaliser l'ACP avec FactorMiner. Je vais cliquer sur FactorMiner, analyse en composante principale. La fenêtre principale de menu de l'ACP est donc disponible. Toutes les variables quantitatives du fichier sont précisées dans cette fenêtre. Si je clique sur appliquer, cela réalise une ACP avec toutes ces variables qualitatives, toutes ces variables quantitatives en variables actives. J'obtiens un graphe des individus et un graphe des variables. Avec FactorMiner, il est possible de préciser certaines variables comme variables supplémentaires, des variables qualitatives ou des variables quantitatives. Donc là, je vais considérer la variable qualitative compétition comme variable supplémentaire. Donc cette variable compétition correspond à la compétition à laquelle les athlètes ont participé. Est-ce que c'est Decastar ou est-ce que ce sont les Jeux Olympiques? Donc, je sélectionne la variable, je clique sur OK. Je peux également sélectionner des variables quantitatives supplémentaires. Toutes les variables qui correspondent à des épreuves, aux 10 épreuves du décathlon, vont être considérées comme des variables actives, mais les dernières variables qui correspondent au classement et au nombre de points, je vais les considérer comme des variables supplémentaires. Donc elles ne vont pas participer à la construction des axes, mais vont être utiles pour essayer de caractériser mes axes. Donc le fait de les sélectionner en supplémentaire enlève ces variables des variables actives. Donc j'ai donc comme variable active toutes les variables, sauf ces deux-là. Et ces deux-là sont en supplémentaire. Je peux également sélectionner des individus en illustratif, mais ici je vais considérer que tous les individus sont actifs. Je peux choisir certaines options graphiques. Donc, par exemple, je peux nommer le graphe des individus, graphe des athlètes par exemple. Je peux cacher certains éléments, par exemple, cacher les individus supplémentaires ou cacher les modalités des variables qualitatives. Par défaut, tous les labels sont disponibles, donc les individus actifs et les labels pour les variables, les modalités des variables qualitatives. Je peux colorier les individus en fonction de la variable compétition. Alors plus précisément, les individus seront coloriés en fonction de la modalité qu'ils prennent pour la variable compétition. Je peux également nommer mon graphe des variables. Des variables. Toutes les variables sont représentées. Si je veux sélectionner que les variables les mieux projetées, je peux sélectionner un seuil ici sur la qualité de la représentation à partir du cosinus carré. Donc un seuil qui varie entre 0, toutes les variables sont représentées, et 1, aucune variable n'est représentée. Les variables actives ont leur libellé ainsi que les variables illustratives. Les variables actives seront en noir, les variables illustratives seront en bleu. Il est possible éventuellement de changer la couleur. Je clique sur OK. Je peux également choisir certaines sorties, donc un tableau avec les valeurs propres, les pourcentages d'inertie de chaque axe, chaque dimension, les résultats pour les variables actives, les résultats pour les individus actifs, les résultats pour les variables illustratives, pour les variables qualitatives illustratives, et puis une description des dimensions
Donc, une méthode qui permet de savoir quelles sont les variables qui permettent de décrire au mieux chacune des dimensions. On peut également récupérer tous ces résultats dans un fichier qui aura l'extension CSV qui sera lisible par Excel. Je clique sur OK. Je vais donc choisir le nom pour l'objet de résultat qui s'appelle RES. Par défaut, 5 dimensions sont données pour les coordonnées des individus, les coordonnées des variables. Par défaut, les variables sont centrées et réduites. Donc si je décoche la case ici, les variables ne seront que centrées. Et par défaut, les graphes correspondent aux graphes avec les axes sur les axes 1 et 2. Je vais à nouveau cliquer sur Appliquer pour réaliser la CP. J'obtiens donc toujours deux graphes. Un graphe des individus avec les individus qui correspondent aux athlètes qui ont participé aux Jeux Olympiques qui sont en rouge et en noir les athlètes qui ont participé aux décastars. Et puis j'ai les variables actives qui sont en noir, les variables illustratives qui sont en pointillé et en bleu, donc les variables points et classement. Je peux visualiser les résultats, donc dans la fenêtre des recommandeurs, la fenêtre en bas, j'ai l'ensemble des résultats que j'ai choisi de visualiser. Donc tout d'abord les valeurs propres et les pourcentages d'inertie associés à chaque axe. Donc 32,7% pour le premier axe, 17,3% pour le deuxième, etc. Ensuite les résultats pour les variables avec les coordonnées, les corrélations entre la variable et l'axe, les qualités de représentation mesurées par le cosinus carré entre la variable et la dimension, et puis les contributions de la variable à la construction de l'axe. De même, pour les individus, nous avons les coordonnées des individus, un tableau avec les qualités de représentation, les cosinus carrés, et un tableau avec la contribution de chacun individu à la construction de l'axe. Nous avons également une distance qui correspond à la distance entre l'individu et le centre de gravité du nuage. Et enfin, nous avons les résultats pour les variables supplémentaires, donc les variables tout d'abord quantitatives, avec coordonnées, corrélation et cosinus carré, puis les variables qualitatives, les coordonnées, les cosinus carrés, et une V-test. Quand cette V-test est supérieure à 2 en valeur absolue, cela signifie que la coordonnée est significativement différente de 0. Et nous avons enfin la description des dimensions par les variables, donc une description par les variables quantitatives, donc les variables à la fois actives et supplémentaires. Nous voyons que la variable qui explique le mieux la première dimension est la variable nombre de points, avec une corrélation proche de 1, de 0,95. Donc on pourrait dire que la première dimension correspond à peu près au nombre de points, et cette variable est très liée également à la variable 100 mètres, liée négativement, liée positivement à la variable longueur, et ici toutes les variables ont un coefficient de corrélation qui est significativement différent de 0. De même, on peut décrire la deuxième dimension avec les variables disque, poids principalement. Il est également possible de construire des ellipses de confiance autour des modalités des variables qualitatives. Cette option n'est pas disponible à partir du menu de R Commander, donc il est nécessaire de retourner sur la fenêtre de R. Sur cette fenêtre, nous allons écrire plot ellipses de RES, qui est le nom de l'objet résultat de la CP. On obtient alors un graphe avec un point pour chaque individu, un point colorié en fonction de la modalité que prend l'individu pour la variable qualitative, et un carré correspondant à la position de la modalité Jeux Olympiques ou de la modalité Décastar, et une ellipse de confiance correspondant à l'incertitude autour de la position de cette modalité. La fonction plotEllipse fournit directement l'ensemble des graphes pour chacune des variables qualitatives. Ici, il y a une seule variable qualitative. Il est possible de faire un graphe un peu plus lisible en utilisant les libellés des individus. Et nous obtenons le graphe de la CP avec les individus coloriés en rouge pour ceux qui ont participé aux Jeux Olympiques et en noir pour ceux qui ont participé aux Décastars. Nous avons cette fois le graphe avec les libellés des individus, les modalités et leurs ellipses de confiance.